Bien salut tout le monde, c'est parti pour un aggro avec la F4. On est contre un Ossa grade 8. Une Ossa même. Puis voilà, c'est parti, let's go. Moins 3 PA, c'est cool, c'est fun, c'est fashion, c'est cool ça. Moins 3 PA, c'est parfait. Parce qu'il peut pas faire tous ses combos T1 s'il a pas 9 PA au moins. En tout cas, il pourra pas mettre de dragon avec piqûre au tour 1 s'il a que 8 PA. Ah, voyons voir, il va mettre des bouffes tout du coup, tout de corps. Bon. C'est pas grave, les bouffes tout, enfin c'est chiant, mais il va terminer derrière sans bouffe tout noir normalement. Non, ok, bah d'accord, c'est une erreur de sa part à mon avis. Enfin bref, c'est pas mon problème, il fait ce qu'il veut. Allez, c'est parti. On va... J'espère qu'il a pas trop de fuite. Voyons voir, non, il a carrément pas de fuite d'ailleurs. Du coup, on va Gravito, Gravita. On va... Aveu. Et puis on va continuer l'aveuglement, on met du gros retrait PA là, parfait, il a plus que 7 PA, il est full taclé, donc normalement il pourra pas aller bien loin. Bon voilà, mon Dopol il va s'occuper d'un bouffe tout. Ce qui est chiant c'est qu'il a des res nodes, d'habitude les mecs ont quasiment pas de res nodes. Bon là il a quand même 22%, il a même des res terre et feu, il a même des bonnes res terre et feu, ça va être gênant. Je pense que si je perds c'est uniquement, enfin uniquement, c'est parce qu'il a eu trop de res et j'ai pas pu assez taper à cause des res. Mais bon c'est pas encore joué, y a rien qui est fait, il va mettre son dragon dans glyph, quasiment sûr hein, qu'il met son dragon noir. Voilà il perd 4 PA mais bon. Il va quand même pouvoir taper un coup son dragon de merde. Et le soigner également aussi. Putain mais ça c'est le soin du dragon tout le temps là. C'est vraiment une blague. Ça faut vraiment qu'il change hein, parce que c'est pas équilibré en fait. C'est genre il y a trop de soins. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Bref, c'est pas grave. Pour l'instant il n'y a pas de problème. Là je vais même pouvoir jouer le glyphe de répulsion. Voilà. Ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en garde. Il va du coup il va se détacler quasiment sur. Bon c'est pas grave. C'est pas très grave. On va faire comme ça. Reste même encore des PA, peut-être jouer plutôt l'aveuglement, pas qu'il ait trop de PA, quitte à taper un peu moins fort. Allez bim, moins de PA, j'ai vu le bouffe tout qui a perdu de la vita. Puis voilà, on va charger notre maîtrise. Parfait, bon parfait, peut-être pas parfait, mais s'il fait pas canine, il est dans la merde, il va se prendre des dégâts mais monumentaux. Hein. Je pense qu'il perd, s'il fait pas canine sur moi-même, il perd. Parce qu'après, on va voir, on va voir. Là c'est quasiment terminé, enfin ça dépend, je vous dis, s'il fait pas canine sur moi... Voyons voir, fais le pas, please, please, fais le pas. Allez, fais le pas. J'ai vraiment envie qu'il passe là. Allez, t'as 3 PA. Ouais, c'est sûr, il a fait... Non, il le fait pas. Oh, il met un bouffetou qui va mourir direct. Il s'est pris 1000 dégâts. Oh là là, 4 tours, les gars. Je vous ai dit ou pas? Bon, voilà, c'est terminé. 4 tours contre un Ossa grade 8. Donc voilà, pour ceux qui disaient les Ossa, voilà, j'ai sorti le mode anti-Ossa avec une F4, en plus, ce qui n'est pas le plus simple du tout, vous pourrez demander au F4. Et là, bah, on dit au revoir à son grade 8, tout simplement, hein. plus bye bye. Voilà, ça dégage. Ah, peut-être pas encore totalement terminé, c'est vrai que je parle peut-être un peu vite, mais on est tour 4, remarque. Ouais, c'est pas encore totalement plié, on va voir, j'ai la maîtrise, je suis pas taclé, donc on va en profiter. Tac, il faut que je fasse des crits. Ouais c'est pas encore totalement terminé, j'avais dit, mais parce qu'il se fait soigner de ouf, mais c'est pas grave, on va aveu, bon, un PA, plutôt se mettre ici, bon en tout cas il a pris cher, il est quasiment mort, hein, parce que là il va encore se prendre des dégâts, les dégâts du glyphe, là faut qu'il galère à soigner, mais c'est pas encore totalement terminé, mais bon c'était, ouais c'est vrai qu'il s'est bien soigné, j'avais oublié de coco en fait, mais bon, voilà, donc là il va rentrer en phase soin, ça va être chaud. Bon il réinvoque, ça c'est pas grave. Voilà il va se soigner mais à la mort. Il est encore taclé hein. Donc là au moins bon même s'il soigne beaucoup il est encore taclé. J'ai toujours mis en garde, oui j'ai toujours mis en garde. Donc je sais pas pourquoi il a fait fouet, ça sert à rien. Donc c'est pas trop mal. Bon son dragon il pourra pas me taper. Donc c'est pas encore totalement gagné, j'ai parlé trop vite. Mais voilà 1700 points de vie là c'est pas des masses je trouve. Bon pour certains, enfin le soin qu'il vient de faire c'est totalement déséquilibré mais... 1700 points de vie c'est pas non plus, voilà, c'est pas mal. Donc là il va encore se soigner, très équilibré ce jeu. bon, on va rentrer en tour impair. Je vais faire une... Ah non, bah non, le glyphe enflammé va partir malheureusement. Donc si je fais une TP ça sera... Bah disons je suis un peu pesanteur. Comment c'est vite réglé. Ouais, son truc va me tacler aussi je pense, voilà. Bim, moins 3 PA c'est vraiment cool. On va mettre un gros coup de cac et si je fais un crit, oui si je fais un crit il y a moyen de le tuer là. On fait la flamiche, on va tenter le... Ah pas de crit à la flamiche parce que 337... Ah non mon doppel est taclé. Ah là ça va être très chaud, je suis pas sûr que le glyphe fasse les 337 dégâts. Si j'avais fait un crit à la flamiche ça devait être bon. Parce que comme vous voyez je vais faire 300 dégâts mais pas plus. Hein. Ah si ça passe, voilà 5 tours.
au Samonas gratuite, alors que je suis grade 3, hein, donc j'ai pas de bouclier totalement cheaté. Vous avez vu comment ça se passait pour gagner? Et ça fait plaisir quand même. Hein. Donc voilà, vous voyez que c'est quand même possible avec cette Faker. J'allais au push, je vais vous montrer peut-être un petit coup au push ce que ça donne ce Faker. Vous allez comprendre. C'est un stuff genre le plus classique de la planète, mais qui marche à merveille. Après, il faut savoir des petits, voilà, faut savoir jouer un minimum, mais c'est pas très compliqué. Et j'ai réussi à faire beaucoup de victoires. Je suis, oh putain, il y a trop de monde ici. Je suis agréablement surpris, comme disent les vieux. Putain, mais je peux pas aller dans ce. Bon, il n'y a pas de. J'aurais bien voulu faire un petit push pour montrer un peu le stuff. Pour séculer ça, voilà, deuxième façon de gérer un Osamodas, puisque les SRAM c'était galère, enfin les SRAM avec le nerf up, on sait pas trop si c'est un nerf ou un up, c'est devenu compliqué, enfin même avant c'était quasiment impossible, alors là c'est encore plus dur. Donc je me suis dit on va essayer avec un Osamodas, un Faker pardon, et un Faker bah en fait vous allez gérer genre un Osamodas si vous jouez contre le même Osamodas, vu qu'il sait comment vous allez jouer, normalement vous pourrez pas gagner deux fois le même. Mais ça a marché une fois en tout cas, voilà le putsch. Ça a marché une fois, donc au moins tu t'en fous, t'as gagné le mec, après y a rien à dire. Voilà, le stuff 4000 points de vie, 12 PA, 6 PM, 22% haul. J'ai pas de bouclier malheureusement pour l'instant, vu que j'ai fait exprès de prendre un petit grade sur ce perso. Donc ça viendra après. On va faire mise en garde. Je vais vous montrer le rocks, très très violent. On a peut-être pas dû mettre le glyph T1 au final, bon c'est pas grave. Ouais, vous voyez le rocks, là y a rien à dire quoi, ça tape très 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 fort. Et ça arrive que les mecs aient pas trop de résistance justement, et vous pouvez leur mettre carrément des dégâts comme ça. Hein. Regardez la bim, les glyphes, c'est n'importe quoi. Le coup de cac aussi. Si j'ai déjà réussi à caler un coup de cac, voilà, plus de 1000 dégâts en aggro, quoi, c'est pas impossible. En gros, c'est un mode où vous allez faire que taper, vous tapez très très fort. Hein. Et surtout, c'est le cumul des glyphes qui va taper très très fort. On va attendre. Attends, comment il faut que je fasse? Faire comme ça. Par exemple, bim, on va faire ça, on va passer en mise en garde. Et le truc c'est quand vous avez deux glyphes et que vous faites TP dessus, je vous explique même pas les dégâts, c'est abusé. Genre là regardez, 3500 points de vie, hein, il a 3500 points de vie, je vais lui faire double aveu. Attends, il me semble que j'ai perdu un PA. C'est ça. Je vais TP dans le glyphe. Regardez. Bim! 1500! Donc ça arrive des fois je fais des tours comme ça et après bon voilà il se reprend les dégâts juste après justement. Et ça fait très très mal, en gros c'est un mode où il faut tacler, il faut faire très très mal très rapidement. Donc voilà vous avez vu ça a marché contre le Samonas Graduit, mais c'est pas le seul que j'ai gagné je vous rassure. Donc voilà c'était ça peu, n'hésitez pas à laisser un max de like quand même parce que le combat était sympa, hein. C'était quand même pas, c'était pas simple du tout parce que ça se joue à des détails. Même si à la fin je finis full vita ou je finis avec 10 points de vie, ça se joue à des détails de est-ce que le dragon il est mort à ce moment-là, est-ce que j'ai retiré cette PA. Ça se joue par exemple moins 3 PA au premier tour. Ça par exemple c'est un truc qui a pu m'avantager mais énormément. Hein. Parce que si je lui ai enlevé que moins 1 ou moins 2, il aurait pu faire un sort ou deux en plus, ça aurait été totalement différent. Mais bon, en manière générale, il n'a pas super super bien joué quand même le Losa. Parce qu'il aurait pu faire canine sur moi-même, mais je sais pas s'il le sait, bref, c'est pas grave. Ou alors ils ont changé le sort, je sais pas. Bref, c'est ça peu, bye tout le monde, n'hésitez pas à laisser un max de like.